Constantine de la Grotte à la Médina, au musée Cirta, c'est le nom d'une exposition au musée national. La manifestation culturelle qui durera jusqu'au 7 février est une initiative destinée au large public, notamment les étudiants, les lycéens et les élèves, avec pour principal objectif la sensibilisation des jeunes aux richesses d'un héritage culturel plusieurs fois millénaire. C'est l'une des cités les plus anciennes au monde, Constantine. Une ville perchée sur son mythique vieux rocher, une ville chargée d'histoire, construite 3000 ans avant Jésus-Christ. Au fil des siècles, Constantine accueille sur son sol pas moins de 10 civilisations et devient une cité incontournable dès l'Antiquité. Symbole de la culture arabo-andalouse, elle aurait aussi abrité les hommes de Néandertal dans ses grottes où des fossiles ont été retrouvés. Ce qui est unique ici, c'est que ces grottes historiques sont situées dans le centre de la ville. Une richesse culturelle et historique que l'Algérie tente aujourd'hui de sauvegarder et de valoriser. Pour y arriver, le pays mise sur la connaissance et la découverte avec cette exposition intitulée « Constantine de la grotte à la Médina ». Nous faisons ça pour que nos jeunes connaissent mieux leur ville. L'Algérie ne s'arrête pas là. Des travaux de restauration ont été lancés dans la vieille ville, toujours dans le même but, préserver le patrimoine et transmettre ce trésor aux jeunes générations. Voilà, c'est la fin de cette.